Et oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est toujours Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacie, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, on va aborder ensemble un des sujets les plus sensibles de la consommation du cannabis. Oui, le niveau de THC présent dans les produits de cannabis. Pourquoi la SQDC limite le THC à 30% dans ses produits? Le sujet est important pour le législateur qui s'en sert pour afficher ses croyances, ses peurs et la science qu'il privilégie. Le sujet est aussi important pour l'industrie qui, depuis le début de la légalisation, se bat pour être capable de proposer tout simplement des produits à plus haut niveau de THC. Et finalement, les produits de cannabis à fort taux de THC intéressent une partie des consommateurs, souvent les plus vocaux sur les réseaux sociaux. Il est évident que mon voisin, qui vient tout juste de recommencer à consommer après avoir élevé ses enfants, ne désire pas un concentré à 90% de THC. Il ne sait même pas que ça existe. Avant de se lancer dans l'épisode du jour, un petit retour sur l'épisode de la semaine passée, dédié à l'impact de la production du cannabis sur l'environnement. Beaucoup de réactions positives, mais aussi des gens très perturbés par la question. On m'a accusé de rien comprendre. Ceux-là, en général, m'insultaient sans vraiment vouloir discuter. Mais ça donne toujours un petit choc, hein? Te faire insulter juste sur le titre d'un épisode, ça réveille. Par contre, des gens de l'industrie m'ont écrit en privé pour me dire qu'ils partageaient mon inquiétude ou ma quête de questions et de réponses. Bonne nouvelle également, je pense pouvoir vous présenter bientôt une belle initiative d'un producteur autorisé québécois qui, lui, a décidé de faire bouger les choses du côté environnement. À suivre, donc. Alors, vous le savez, quand je suis au Top Pot sans invité, je me commande un petit café, une seconde. Hé, hey, MJ! T'as pas le temps? Mon habituel. OK, merci. De retour. Aujourd'hui, je vous propose un épisode divisé en trois parties. Dans la première, Québec oblige, nous allons voir quelle est la position de la SQDC que j'ai contactée et qui m'a répondu. Pourquoi la SQDC limite le THC à 30%? Éclairé par la position du monopole québécois de la vente du cannabis, nous allons ensuite, dans un deuxième temps, regarder les arguments des opposants à une libération des niveaux de THC. Dans un troisième temps, nous allons recenser les bonnes raisons évoquées par les partisans d'une absence de limite des taux de THC. Cet épisode n'a pas vocation à être exhaustif. C'est une entrée en matière. C'est évident que nous allons y revenir dans le futur, car les produits à fort taux de THC sont un enjeu important. Donc, cette discussion est importante, mais pas juste pour le Québec. Toutes les législations qui étudient la possibilité de légaliser le cannabis discutent obligatoirement de ce sujet. Dans toutes les discussions que j'ai eues avec des Français, par exemple, les militants sont unanimes. Il ne faut pas de limitation de THC, sans argumenter vraiment d'une façon scientifique. Alors que moi, personnellement, je me battrais pour une production biologique, eux s'intéressent avant tout au pourcentage. C'est presque une quête du Graal. Et en face d'eux, des politiciens qui adoptent la position inverse. Et eux aussi n'apportent aucune science, ou très peu, pour justifier leurs préférences. C'est culturellement français, l'alcool, mais pas le pot. Alors je me suis dit que très modestement, je pourrais peut-être, ajouter ma contribution. Bon, notre programme est divisé en trois parties. On commence par la position de la SQDC. Je respecte son travail. Je crois que je critique à l'occasion, mais je respecte son travail. Il me semblait important de présenter sa perspective en premier. Alors, j'ai écrit à M. Fabrice Giguère, son porte-parole et conseiller en communication. Je lui ai écrit que je préparais un épisode de Top Pot sur les limites de THC imposées au Québec. Le pour et le contre avec une argumentation. J'ai mentionné les produits interdits de vente au Québec tels que présentés dans le guide du fournisseur de la SQDC. Voici le passage pertinent.
La concentration de THC présente dans le cannabis, à l'exclusion des produits de cannabis comestibles, ne doit pas dépasser 30% poids par poids. J'ai terminé ma demande d'information en écrivant ceci. Est-ce que la SQDC a expliqué en détail les motivations médicales ou sociétales de cette limitation? J'aimerais être capable de présenter sans filtre la position officielle de la SQDC. Merci d'avance, blablabla. Juste une seconde. Et merci, MG. De retour. Ah, oh, que ça fait du bien. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Monsieur Giguère, le porte-parole de la SQDC. Monsieur Giguère m'a répondu rapidement, très rapidement. Je le remercie, il est très professionnel. Voici sa réponse, texto, évidemment, par respect. En réponse à vos questions, nous n'avons pas l'autorité pour fournir les justifications scientifiques derrière les limites de taux de THC. Ces limites sont édictées par la loi encadrant le cannabis et ses règlements ou, dans certains cas, par la loi sur le cannabis fédéral. Notre responsabilité est d'appliquer les lois qui nous gouvernent. Je vous référerai donc au ministère de la Santé et des Services sociaux qui seront mieux placés pour vous répondre. Fin de la citation. OK. On a fini en 30 secondes la première partie de l'épisode consacré à la position de la SQDC. Est-ce qu'on passe tout de suite à la deuxième partie? Peut-être un commentaire. La réponse que j'ai reçue de la SQDC, que je remercie encore une fois, est à l'image des réponses qu'elle donne sur les réseaux sociaux. En gros, c'est toujours « on n'y peut rien, c'est la loi ou le règlement ». Elle n'a pas tort. J'en entends dans le fond du café qui disent « on le sait bien, la SQDC, c'est un cartel ». Eh bien, faire une relation de causalité entre le fait que la SQDC est un monopole et que le marché québécois est sous-développé, dans ce secteur en particulier, est une erreur. Le Nouveau-Brunswick a aussi un monopole d'État similaire à la SQDC. Par contre, l'attitude de nos amis du Nouveau-Brunswick, de NB Cannabis, diffère de celle de la SQDC. On peut acheter à la ferme directement du producteur au Nouveau-Brunswick. Au départ, c'est interdit, comme au Québec, hein? Puis, suite aux demandes de l'industrie et des consommateurs, NB Cannabis s'est dit « mais pourquoi pas? » Maintenant, il y a au moins 3 producteurs autorisés qui vendent directement de la ferme ou, dans la vraie vie, là, de leur usine, hein? Ou de leur bunker, si vous préférez. Je suis absolument sûr, il n'y a aucun doute, que la SQDC a tous les talents nécessaires pour réaliser des projets similaires. Le problème n'est pas là. Le gouvernement actuel exprime sa peur et ses croyances. Un gouvernement d'entrepreneurs, qui disent. Alors, pour bien faire, je suis allé visiter le site du ministère de la Santé et des Services sociaux. J'ai trouvé 2-3 PDF poussiéreux dans lesquels on ne pouvait même pas faire de recherche. Rien d'explicite, rien pour tenter de renseigner, rien. Quelle tristesse! La meilleure raison au monde pour interdire les extraits de plus de 30% de THC, y dort peut-être, hein, dans le site de ce ministère. C'est la vie. La SQDC ne peut rien dire? D'accord. La SQDC ne peut partager un lien pour le site du ministère de la Santé et des Services sociaux? Juste un petit lien? Elle ne peut pas? D'accord. Le site du ministère de la Santé et des Services sociaux enterre la réponse qui peut justifier de brider la production des producteurs autorisés québécois? D'accord. Alors, on va se passer d'eux pour répondre à la question de l'épisode. Mais avant de passer à la deuxième partie, il est important de préciser que seul le Québec interdit les concentrés à plus de 30% de THC. Toutes les autres provinces canadiennes s'entendent pour reconnaître la science qui justifie la proposition fédérale. Le Québec ne reconnaît pas cette science-là et ne veut pas vraiment s'expliquer sur les fondements scientifiques de ses choix ou n'en sent pas le besoin. Ou c'est de ma faute parce que je n'ai pas cherché assez longtemps sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je pense que c'est plus simple comme ça. Si vous ne savez pas pourquoi la SQDC limite le THC à 30%, dites que c'est ma faute. Plus sérieusement, on passe maintenant à la deuxième partie de l'épisode et on va tenter de comprendre les arguments des gens qui sont contre les produits de cannabis à plus de 30%. Le 22 janvier 2018, avant le début de la légalisation, qui aura lieu au mois d'octobre, Radio-Canada publie un article intitulé « Quelle puissance pour le cannabis ?» L'article accuse le gouvernement fédéral d'ignorer les conseils d'experts du monde médical. Le fédéral pourrait permettre des concentrations de THC qui atteindraient 30%
et que sans l'intervention des provinces, des produits dangereux seraient disponibles. On dirait que ce journaliste a peur du cannabis. Immédiatement suit le refrain sur le cannabis qui est devenu des millions de fois plus puissant depuis les années 60, 70. On va y revenir plus tard à ce refrain, forcément. L'article reprend les recommandations de l'Association des médecins psychiatres du Québec, l'AMPQ, qui a demandé que le taux de THC soit limité à 15 % pour les plus de 21 ans et à 8 % pour les acheteurs de 18 à 21 ans, avec l'avertissement suivant: plus vous commencez jeune, plus il y a des risques de dépendance et de psychose. Vous avez remarqué qu'à l'époque, l'AMPQ ne disait pas que les moins de 21 ans ne devraient pas fumer. L'article laisse une place à l'argumentaire inverse du géant Canopy. La légalisation sera officielle 9 mois plus tard, mais déjà, les différents lobbies s'organisent. Au passage, intelligemment, Canopy, en bon géant protecteur d'une industrie à naître, se fait du capital médiatique extraordinaire à zéro coût. Bravo. J'ai ensuite trouvé un article du Britannique Malcolm Gladwell, qui a écrit un article en janvier 2019 pour le magazine New Yorker. Le titre est « Is marijuana as safe as we think? Permitting pot is one thing, promoting it is another. » J'ai choisi cet article à cause de la réputation de Gladwell et du sérieux du magazine qui doit avoir procédé normalement à une vérification des faits avant de publier. L'article évoque un rapport de 468 pages qui exprime tous les espoirs portés par le cannabis, tout en déterminant que les experts disent qu'il manque d'études randomisées pour appuyer toutes ces observations. Puis, il cite un expert qui prédit un déferlement de concentrés à plus de 60 %. Il propose ensuite la vision d'un auteur et ex-journaliste d'investigation pour le Times, Alex Berenson, qui a écrit un petit pamphlet intitulé « Dites-le à vos enfants, la vérité sur la marijuana, la maladie mentale et la violence ». Benson associe le cannabis aux maladies mentales et affirme que beaucoup de malades psychiatriques, lourds, consomment du cannabis. Quelques paragraphes plus loin, Berenson affirme voir l'apparition d'un nouveau type de patients, des professionnels de la classe moyenne qui sont plus âgés et moins marginalisés. Suite à la consommation de cannabis, ils développeraient une sorte de schizophrénie accompagnée de délires que les médicaments antipsychotiques habituels ne peuvent atténuer. Berenson fait ensuite un lien entre cette schizophrénie et la violence qui l'accompagne en relation avec la consommation du cannabis. Est-ce que l'utilisation plus générale du cannabis va provoquer une augmentation des crimes violents? Pas de réponse définitive, semble-t-il, mais Berenson cite un article de 2013 publié dans le Journal of Interpersonal Violence qui affirme que les résultats d'une enquête sur plus de 12 000 jeunes étudiants prouvent que les consommateurs de cannabis devenaient plus violents que les consommateurs d'alcool comparés aux étudiants qui n'avaient rien consommé. Des corrélations, mais pas de causalité, dit Berenson. On a besoin de plus d'études. Enfin, Berenson se demande si le cannabis est une drogue d'introduction. Là aussi, il n'y aurait pas assez d'études. C'est la conclusion de la National Academy of Science. On peut rappeler, cependant, qu'en 2017, 72 000 Américains sont morts d'overdose de médicaments de prescription. 72 000 quand même. Et on ne manque pas d'études sur ce sujet. OK. J'avoue que j'ai aussi choisi l'article de Gladwell parce que je le trouve rempli de mauvaise foi, presque un cas d'école. Il y a un lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez vous faire une idée personnelle. N'hésitez pas à partager votre réaction avec moi, lucprévost@hotmail.com. Je crois que c'est le temps de faire une parenthèse pour rappeler qu'il y a une dizaine d'années à peine, Santé Canada avait exigé des recherches formelles pour prouver l'efficacité de la citronnelle pour éloigner les moustiques. En fait, dès 2004, Santé Canada exprimait ses doutes sur les répulsifs à la citronnelle. En 2014, 10 ans plus tard, elle interdit formellement le produit. En 2015, elle doit faire marche arrière sous la pression populaire. Le moment est venu de citer un article du journal La Presse. En septembre dernier, Santé Canada avait pris la décision de ne pas renouveler l'homologation des produits à base de citronnelle sous prétexte qu'ils étaient nocifs pour la santé.
Le produit est utilisé depuis des siècles. C'est une sorte de remède de grand-mère. Et Santé Canada se réveille en 2004 et croit que le produit est nocif. En passant, c'est la même gang qui permet l'usage de produits chimiques cancérigènes et qui milite pour une plus grande utilisation du glyphosate, par exemple. Un autre cas où Santé Canada a dû faire marche arrière sur l'augmentation des limites maximales de résidus, les LMR, dans ce cas-ci pour le glyphosate. Mais c'est pas fini, hein? Ce n'est que partie remise pour le printemps 2022. Plein de recherches prouvent que le glyphosate est dangereux. Plein de pays l'ont banni. Mais il n'y a pas encore assez de recherches, on dirait. Ou de morts. Ouais. Dans mes lectures, j'ai trouvé une belle réflexion qui rejoint un épisode que j'avais produit sur les problèmes de protocole pour les tests de labo pour évaluer les pourcentages de THC, justement. L'épisode avec Mathias Plourde de Premier Tech. Épisode 51, je crois. Il n'y a pas non plus de protocole de test pour les concentrés. Cela veut dire que le niveau de danger pourrait augmenter si le produit est mal caractérisé. Si tu penses que ton produit contient 45 % de THC, mais qu'en fait, il en contient le double, il est possible que l'effet cause une surprise non désirée. J'ai retrouvé dans d'autres études les alertes habituelles de la dangerosité du cannabis à plus de 30 % et des portraits robots des utilisateurs, les jeunes adultes, les personnes à faible revenu, les minorités ethniques et les personnes déclarant avoir une mauvaise santé mentale sont des consommateurs qui dabent. Le cannabis à fort pourcentage impacterait à jamais la santé mentale. La consommation quotidienne de cannabis puissant augmenterait le risque de développer la schizophrénie. Les concentrés contiendraient des résidus et des contaminants, même ceux produits avec des solvants. Voyez le genre, hein? On vient de faire en gros le tour des suspects habituels et c'est presque ennuyeux. Si le gouvernement québécois affichait franchement ses croyances et argumentait sa position en adulte, je m'efforcerais de la défendre, sa position, ou de la comprendre dans le pire des cas. Mais on doit faire ça. Ça ne veut pas dire que j'ai baissé les bras. J'ai trouvé des documents fascinants sur la pharmacocinétique des cannabinoïdes. La pharmacocinétique, c'est l'étude de l'évolution d'un médicament dans l'organisme. Tu prends une pilule bleue, elle fait effet après combien de temps? Blablabla. Le lendemain, tu prends une pilule rouge et tu refais les mêmes calculs. Voici une caricature de ce qu'est la pharmacocinétique. OK. Les cannabinoïdes s'accumulent dans les tissus adipeux du corps humain, le gras, hein, parce qu'ils sont liposolubles. L'élimination complète d'un joint peut prendre jusqu'à un mois. Avec des fortes doses fréquentes, le THC et les autres cannabinoïdes s'accumulent dans les zones néocorticales, limbiques, sensorielles et motrices du cerveau. La présence du THC dans les tissus adipeux et les autres métabolites, c'est-à-dire les substances organiques là, qui ont été transformées par l'organisme, pourrait poser problème. 25 % des métabolites du pot sont excrétés dans l'urine, mais 65 % dans l'intestin. Cela veut dire, entre autres, que la relation entre les concentrations urinaires et le degré d'intoxication est une mauvaise mesure de l'intoxication réelle causée par le cannabis. Est-ce que du cannabis avec des forts taux de THC pourrait perturber l'homéostasie du corps par ses accumulations dans les tissus adipeux? Je ne sais pas, mais c'est la première fois que je voyais des gens qui réfléchissaient à cette accumulation dans le corps, ou qui, en tout cas, posaient la question. Si l'humain utilise le cannabis depuis toujours sans trop de problèmes, on ne peut affirmer que l'utilisation de produits à très forte concentration ne vient pas perturber la machine humaine. C'est ce que certains autres opposants affirment. Et par ailleurs, les phénomènes qui évoluent lentement sont toujours difficiles à quantifier, ne serait-ce que parce qu'on oublie de les mesurer. Je parle dans le très, très, très long terme. Je pourrais nous trouver d'autres exemples qui militent formellement contre les forts taux de THC. Mais je crois que ça suffit. Peut-être une dernière étude que je trouve intéressante pour son originalité. En 2016, le contenu de 5000 tweets qui portaient sur des expériences de dabbing ont été analysés par la chercheuse Patricia Cavazos-Reg. Voici les résultats. 22 % des tweets sur le dabbing faisaient référence à des effets physiques extrêmes. 15 % mentionnaient l'utilisation d'une quantité excessive ou l'engagement dans plusieurs sessions consécutives.
Le symptôme le plus souvent mentionné est l'évanouissement. Les symptômes les moins fréquents sont la perte de contrôle du corps ou de l'incapacité de bouger, les nausées, les vomissements, la transpiration et les pleurs. Intéressant, je trouve. L'évanouissement, le premier symptôme. J'accorde une grande importance à ce type d'examen des usages et des conséquences, avec un petit bémol, mais un vrai bémol. Les gens qui partagent leur consommation sur les réseaux sociaux peuvent le faire honnêtement, sans contrepartie, sans peur d'être jugés par un chercheur. Mais, voilà le bémol. Et là, je vous amène avec moi à la polyvalente de Mortagne, il y a des millions d'années. J'ai 14 ans. J'assiste à une conférence donnée par un ex-gotof, un bandit rangé des caisses, comme aurait dit Jean Gabin. Il a les oreilles en chou-fleur pour s'être trop battu. Il raconte sa vie au passage. En parlant de la consommation d'alcool, il dit ceci que je n'ai jamais oublié, qui ne m'a jamais quitté. Une personne qui commence à boire se vante de consommer beaucoup. Une personne qui boit trop ne parle pas de sa consommation. Je crois que ce principe s'applique aussi à la consommation du cannabis. D'où le bémol. La chercheuse Cavazos Reg semble avoir trouvé un filon, car 2 ans plus tard, elle produit une autre recherche intitulée « No high like a brownie high ». J'adore la conclusion de cette étude, d'ailleurs. Les tweets qui normalisent l'usage des mangeables ont le potentiel d'augmenter leur popularité. La prévalence des tweets sur le high intense des mangeables pourrait avoir des implications pour l'adaptation des messages de prévention. Après la position de la SQDC. Après les arguments contre. On arrive maintenant à la 3e partie de l'épisode et voici les arguments qui militent en faveur de la disponibilité des produits de cannabis à forte teneur en THC. Je tiens à le redire, je ne suis pas un scientifique expert en santé publique. Je vous expose seulement le fruit de mes recherches pour comprendre les alternatives aux positions du législateur québécois qui est contre, mais qui ne donne pas ses sources facilement, alors que la science a besoin de soleil pour prospérer. On commence par ce qui serait la démonstration d'une manipulation au long cours. Une histoire là, qui existe depuis longtemps. Le gel des taux de THC serait l'héritage de vieilles manipulations. Prenons l'exemple du pot qui serait 2 milliards de fois plus puissant en 2022 qu'au moment de la naissance du Parti québécois. Si vous avez égaré votre livre d'histoire, c'est en 1968, le 11 octobre pour les curieuses. Ce que cette rengaine ne dit pas, c'est que le haschich, qui est un concentré, existe depuis l'Antiquité et que le hash, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort, normalement, hein, qu'une fleur de cannabis. Donc les humains auraient été exposés à des fortes concentrations depuis très longtemps. L'Antiquité, c'est bien avant la conquête de la Coupe Stanley par Maurice Richard ou la première élection du PQ. Le mème de la dangerosité du pot à fort taux de THC est détruit, démoli, anéanti, pulvérisé, annihilé, ou si vous préférez, réduit à néant ici en 2 secondes par la constatation de la simple existence du hash jamais mentionné dans ces études. Je vous donne un autre exemple qui montre comment on manipule l'opinion et le consensus. Vous avez sûrement entendu dire que le mot haschich avait donné naissance au mot assassin. Eh bien, cela pourrait être un mensonge, une manipulation organisée pendant les croisades chrétiennes. Je vous donne l'équivalent moderne. Une des stratégies pour détruire la réputation des leaders encombrants est de prétendre avoir trouvé du matériel pornographique dans leur ordinateur. C'est un classique de la désinformation. L'auteur Farhad Daftari a écrit un livre qui revient à cette fabrication destinée à salir un adversaire. Voici la description du livre sur Amazon. Daftari retrace les origines et les premiers développements des légendes, tout en étudiant le contexte historique dans lequel elles ont été fabriquées et transmises. Ce livre révèle un extraordinaire programme de propagande enraciné dans le monde musulman médiéval et dans l'ignorance de ce monde par l'Europe médiévale. Le titre du livre est « The Assassin Legends, Myths of the Ismailis ». Il y a un lien sur la page web de l'épisode. Beaucoup d'historiens qui s'intéressent au cannabis disent que l'utilisation du mot « marijuana » par les autorités américaines suit un schéma similaire. Le « Marijuana Tax Act of 1937 »
sera le point culminant de cette guerre sémantique. On change de registre. Si on regarde la drogue la plus populaire au monde, l'alcool, il existe des produits qui font 3 % et d'autres qui font 80 %. Mais comment les Québécois font-ils pour s'y retrouver? C'est mélangeant, non? Du gin, il faudrait colorer ça comme la margarine. Hein? Me semble que ça ressemble à de l'eau. Les consommateurs ne comprendront pas. Je ne connais personne qui teste les contenus des bouteilles vendues par la SAQ pour s'assurer que le taux d'alcool est bien celui indiqué sur la bouteille. Les Québécois sont capables de comprendre qu'on ne boit pas de la vodka comme on boit de la bière. La plupart, en tout cas, car il ne faut pas oublier que l'alcool, c'est 400 hospitalisations et 10 décès par jour au Canada. Est-ce que les gens qui se retrouvent à l'hosto savent faire la différence de puissance entre la vodka, la bière et le vin? Est-ce que la SAQ a commandité des recherches pour savoir si les Québécois sont capables de lire les étiquettes? Je ne crois pas. Pourtant, le danger est là. 400 hospitalisations par jour et 10 décès. Pas juste aujourd'hui, hein? Demain, avant-hier, avant-hier, après-demain, la semaine prochaine, il y a 2 mois, dans 5 mois, 400 hospitalisations et 10 décès par jour. La DEA américaine, la Drug Enforcement Administration, a écrit en 2017 « Aucun décès dû à une overdose de marijuana n'a été signalé ». Le même document de la DEA précise certains effets du cannabis. Gaieté, bonheur, amélioration de la perception sensorielle, appréciation accrue de la musique et des arts, et finalement, augmentation de l'imagination. Personnellement, je ne dirais jamais ce genre de choses, jamais. Mais quand elles viennent de la DEA, je me permets de les citer. Il est peut-être pertinent de dire également que les politiciens qui supportent la limitation des taux de THC semble être majoritairement contre la légalisation avant d'y consentir à contre-cœur. Dans une logique comptable, réduire le pourcentage de THC a comme conséquence de forcer les patients médicaux, entre autres, à consommer davantage pour obtenir la dose désirée. On va y revenir car le sujet est très complexe. Et les effets néfastes de la consommation de THC pendant la grossesse et sur les jeunes cerveaux en développement. On attend des preuves, hein? La science, quoi, qui expliquerait comment une limitation du THC entraînerait une baisse de la consommation chez les femmes enceintes ou les mineurs. Ces preuves n'existent pas, ou s'ils existent, aucun politicien québécois n'a été capable, dans les 3 dernières années, de les présenter aux journalistes qui les questionnaient lors de la décision de limiter les taux de THC au Québec. Je suis tombé par hasard sur une belle comparaison. Juger un produit de cannabis à son seul taux de THC, c'est comme aller au cinéma et se fermer les yeux quand l'acteur principal n'est pas là. En faisant une fixette sur le taux de THC, est-ce que la SQDC fait de la désinformation sur la complexe réalité de l'effet d'entourage? En singularisant le THC, ne pousse-t-elle pas les producteurs autorisés à produire des produits de plus en plus dangereux? Les jeunes sont portés vers l'interdit. Hein. En interdisant les hauts taux de THC, est-ce que la SQDC crée un attrait supplémentaire pour cette catégorie de produits? Je ne sais pas si la CAQ serait prête à financer une telle recherche. La SQDC, de son côté, elle ne le dira jamais. Pour cela, il faut parler aux producteurs autorisés. La SQDC, donc, veut des produits à fort taux de THC. Je parle des fleurs. Là. C'est un réflexe reptilien qui vient de la structure de la SAC, hein, qui mesure tout au pourcentage d'alcool. La SQDC, enfant de la SAC, a adopté la même approche, même si elle est scientifiquement fausse et même si, à l'usage, il est clair qu'en test aveugle, les jurys des grands concours de cultivars, eh bien, ils préfèrent tous des fleurs qui ont moins de 20 % de THC. Donc, la SQDC va dans la direction inverse des experts du monde entier. Par son processus de sélection, hein, qui donne une prime aux produits forts en THC, on peut penser que la SQDC fait augmenter les risques commerciaux des producteurs autorisés qui osent encore faire des fleurs à moins de 20 % de THC. Tout comme certaines variétés de pommes disparaissent, si la tendance actuelle se poursuit, on va se retrouver avec une industrie qui ne produit que des Macintosh. Mais la SQDC est aussi dans une logique qui lui échappe. Les consommateurs, influencés par l'offre de la SQDC, sont confortés dans leur équation « plus de THC égale plus de buzz ».
Est-ce qu'un petit PA, un producteur autorisé, peut aller contre ce flot entretenu par les propositions commerciales de la SQDC? C'est évident que la réponse est non. Tu montes dans le train ou tu vas nulle part. Il paraît même, aux dernières nouvelles, que tout ce qui ferait moins de 20% irait seulement dans les ventes en ligne. Ça reste à confirmer auprès de la SQDC. On peut aussi regarder la Hollande pour tenter de mieux comprendre ce que nous vivons au Québec. On le sait, la Hollande a quelques décennies d'avance sur le Canada, et que peut-on y voir? Les semences les plus vendues produisent des fleurs qui auront en moyenne 14,6% de THC. Et on est chanceux car là-bas, l'Institut Trimbos produit une enquête annuelle sur la puissance du cannabis en Hollande. Les fleurs fortes, hein, le top du top, font du 17%, pas plus. Et la différence entre les fleurs faibles et celles considérées comme fortes n'est que de 2,4%. J'en entends dans le fond du café qui disent « Luc, le H, on veut savoir pour le H. » OK, les gars et les filles. OK, vous allez être surpris. Le taux moyen de THC dans les produits de H en Hollande est de 21%. Ces coffee shops qui ont fait rêver le monde entier vendent des produits que la SQDC considère comme faibles pour ses ou normales pour ses fleurs. La légalisation, c'est une course au THC. Je ne dis pas que le mandat de la SQDC est facile. Non, il est très difficile. Et je ne dirais pas qu'il est complexe non plus, il est compliqué. Et je dirais aussi qu'il est biscornu. Oui, biscornu, le mot m'est venu spontanément. Biscornu, qui a une forme irrégulière, qui est déformée par les bosses. La SQDC, c'est un fait, se fait taper dessus par tout le monde. Mais puisqu'on est dans cette poutine, aussi bien aller au fond des choses. Modestement, à ma mesure, regardons cette fable du pote faible des années 70. C'est capital. Aux États-Unis, le Potency Monitoring Program teste des échantillons fournis par la police depuis 1972. Les premiers tests étaient peu nombreux. On parle de moins d'une vingtaine de tests par an, alors qu'aujourd'hui, on dépasse les 1000 tests annuels. Ce que l'on apprend aussi rétrospectivement, c'est que les protocoles pour ces tests étaient ridicules. Les échantillons étaient parfois mal conservés pendant des mois avant d'être testés. Je n'invente rien. En 1984, le National Institute on Drug Abuse affirme publiquement que l'âge des échantillons testés variait beaucoup, de plusieurs semaines à plusieurs années. Techniquement, on peut aussi discuter de la méthode qui était utilisée à l'époque, la chromatographie en phase gazeuse. C'est facile à vérifier, c'est un fait connu. C'était mieux que rien, mais pour la précision, c'est vraiment loin d'être idéal pour le cannabis. Pourquoi? Il suffit de consulter Wikipédia qui dit ceci. Là, je cite texto. La chromatographie en phase gazeuse, CPG, est, comme toutes les techniques de chromatographie, une technique qui permet de séparer des molécules d'un mélange éventuellement très complexe, de nature très diverse. Elle s'applique principalement aux composés gazeux ou susceptibles d'être vaporisés par chauffage sans décomposition. Fin de la citation. Tout le monde sait que le pot est hypersensible à la chaleur. La méthode utilisée dans les années 70 détruisait ce qu'elle tentait de mesurer. En 2020, la chromatographie liquide permet de ne pas détruire le THC avant de le mesurer. On peut donc raisonnablement affirmer simultanément deux choses. Un, oui, le niveau de THC augmente depuis qu'on le mesure. Mais il est difficile, voire impossible, de se fier aux tests effectués sur des échantillons mal entreposés, parfois vieux de plusieurs années, et effectués sans protocole réel, avec de l'équipement de laboratoire inadéquat. 2. D'autres études se penchent sur le phénomène de l'augmentation du THC. Il est indéniable que le taux de THC augmente au fil des ans. C'est le genre de produit que souhaite vendre la SQDC. Ou est-ce que la SQDC ne fait que suivre les consommateurs? La question mérite d'être posée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que leur mandat n'est pas complexe, il est compliqué. Et en plus, ils doivent s'abstenir de faire la promotion du cannabis. Vous voyez le grand écart auquel est soumis la SQDC. En interdisant les concentrés à plus de 30 %, elle croit devoir offrir des fleurs de plus en plus fortes pour satisfaire une certaine partie du marché,
qui n'ira pas acheter sur le marché noir ou le marché gris? Ce que les études de plus récentes démontrent, c'est que la quête des forts taux de THC a comme effet secondaire de produire des fleurs qui ont de moins en moins de CBD. En moins de 20 ans, le ratio THC-CBD serait passé de 14 pour 1 à 80 pour 1. Il n'y a aucun protocole canadien pour les tests de concentré, je le répète. Bon, j'espère que ce retour sur la ritournelle « Le pot d'aujourd'hui est des millions de fois plus puissant » vous a amusé tout en vous renseignant sur les limites de cette comparaison dans le temps. On va maintenant passer à de la vraie science réalisée dans des conditions surprenantes. Comment faire pour connaître l'effet d'un produit de cannabis très puissant sur un consommateur de cannabis? Si le consommateur ne veut pas ou ne peut pas venir au laboratoire, pourquoi ne pas emmener le laboratoire chez l'utilisateur? L'étude « Association de l'administration naturelle de fleurs et de concentrés de cannabis avec l'intoxication et l'altération des facultés » est réalisée par Cinnamon Bidwell, qui a donc utilisé des laboratoires mobiles en utilisant des fourgonnettes surnommées, c'est délicieux, « canavanes ». Les canavanes se déplacent chez des utilisateurs qui vont alors consommer du cannabis dans leur résidence, de façon habituelle et normale, et qui vont ensuite sortir à l'extérieur pour subir un test dans une des deux canavanes disponibles. La première constatation de Mme Bidwell est simple, mais troublante pour ceux qui croient que le THC est au centre du processus d'intoxication. Là, je la cite texto. De manière surprenante, nous avons constaté que la puissance ne suivait pas les niveaux d'intoxication. Bien que nous ayons constaté des différences frappantes dans les niveaux sanguins entre les deux groupes, ils étaient affaiblis de manière similaire. Fin de la citation. Par contre, le phénomène de tolérance pourrait être problématique à long terme. D'autres recherches sont nécessaires. Un des autres auteurs de la recherche, Ken Hutchison, a une réflexion qui m'a interpellé. Est-ce que l'exposition à des concentrés perturbe les récepteurs cannabinoïdes d'une manière qui pourrait avoir des répercussions à long terme? Rend-elle plus difficile d'arrêter de fumer qu'on le souhaite? Nous ne le savons pas encore. Dans un autre registre, au début de la légalisation, seuls les gros joueurs du cannabis osaient contrarier le législateur sur ce sujet. « Absurde », dit Canopy Growth dans le journal La Presse. « Si le gouvernement interdit les concentrés de cannabis, c'est précisément ce qui va se passer. Le marché noir va s'en emparer. Ou pire, les gens vont le fabriquer à la maison, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée », avance Adam Greenblatt, le représentant de l'entreprise à l'époque. En 2022, tout a changé. Tout le monde se plaint de l'absence d'offres de produits de THC plus puissants. Si on s'éloigne des relations publiques pour revenir à la science, on doit s'intéresser à une étude de 2020 publiée dans la revue britannique The Lancet. Cette étude avance qu'environ 30 à 50 % des cas de psychose en Europe seraient dus à l'exposition au cannabis, que l'exposition à des niveaux élevés de THC augmente ce risque. Mais elle ne présenterait que des corrélations, cette étude, et aucun lien de causalité. L'étude de Cannabis and Psychosis, A Critical Overview of the Relationship, étudie la possibilité inverse, et ses conclusions sont rarement partagées dans les grands médias. L'ensemble des rapports de recherche récents sur le cannabis et la psychose examinés par nos chercheurs suggère que le cannabis ne provoque pas en soi un trouble de la psychose. À la base, il y a deux hypothèses. Un, le cannabis comme cause contributive, et deux, la possibilité d'une vulnérabilité partagée. Les auteurs concluent que la consommation précoce et forte de cannabis sont plus probables chez les personnes vulnérables à la psychose. Le rôle de cette consommation précoce et importante de cannabis comme signe avant-coureur mérite évidemment d'autres recherches. Ce genre de recherche est courant. Il suffit de penser à la consommation précoce ou importante de cigarettes ou d'alcool associée à de mauvais résultats scolaires. Statistiquement aussi, on peut se questionner. On peut se demander pourquoi les taux de psychose et d'autres troubles similaires sont assez stables partout dans le monde, alors que, parallèlement, la consommation de cannabis explose. Encore des corrélations et pas de lien de causalité, surtout quand toutes ces études sont incapables de fournir des résultats précis sur le type de cannabis ingéré. C'est un peu fâcheux, disons, d'un point de vue scientifique. D'autres recherches s'intéressent aux effets subjectifs de la consommation du pot. J'ai été surpris d'apprendre que fumer une fleur
procuraient, semble-t-il, plus d'effets positifs que les concentrés. Les effets négatifs semblaient négligeables dans les deux types de produits. J'adore une des conclusions de l'étude. Les effets subjectifs n'expliquent peut-être pas pourquoi les consommateurs de cannabis utilisent des concentrés de cannabis. Si vous êtes un gros consommateur de concentrés, écrivez-moi. J'ai maintenant des questions pour vous. Luc Prévost à hotmail.com. Quand on y pense bien, hein, il y a des produits plus puissants comme le haschich qui ont toujours été disponibles pour les consommateurs. Comment font les gens qui boivent de la bière le samedi et du scotch le dimanche? Ils réduisent leur consommation par un simple phénomène autorégulateur connu sous le nom de autotitration. Le titrage, hein, c'est pour un producteur d'alcool, ça consiste à évaluer la proportion d'alcool dans sa production. Et on peut dire plus généralement que les humains sont pas si bêtes. Hein. C'est simple, hein? Les verres à bière sont plus gros que les verres à fines. La taille du verre est un design humain qui nous permet de comprendre ce que nous consommons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, dans l'épisode 91, intitulé « Le cannabis parle », ou « Si le cannabis pouvait parler », mon invité François-Olivier Hébert raconte que certaines civilisations faisaient des contenants qui représentaient l'objet qui devait être stocké. La taille des verres donne une indication similaire, par design. Mais pour le pot, c'est plus compliqué. Dans un autre registre, la FDA américaine permet l'usage du dronabinol depuis 1985. Le dronabinol, c'est du THC, juste du THC et rien que du THC. En 1999, 14 ans plus tard, l'agence a décidé de réduire les restrictions sur le dronabinol. Pourquoi? Elle a conclu que le dronabinol présentait peu de risques pour la santé et la sécurité. Voici donc trois réalités incontournables. 1. L'absence d'offre de la SQDC n'empêche pas l'accès à ce type de produit. Par contre, il est 100% sûr que les produits du marché noir ou gris seront de moins bonne qualité, voire dangereux. En plus de forcer des Québécoises et des Québécois à rencontrer des membres du crime organisé. 2. L'absence de ce type de produit à la SQDC formalise un nouveau marché noir. En 2018, un tiers des ventes légales étaient des concentrés. Si tu vas acheter ton concentré et qu'il a d'autres belles fleurs, peut-être que tu ne retournes pas à la SQDC. Et 3, le maintien d'une limite du taux de THC est une nouvelle forme de recriminalisation du cannabis. Il y a beaucoup de monde bruyant dans le café aujourd'hui. Je viens d'entendre quelqu'un qui me dit « Luc, c'est le cerveau qui nous intéresse. On a des enfants, on les aime. » Oui. Les Russes aussi aiment leurs enfants, chantait Sting. J'ai trouvé une incroyable étude de janvier 2022, parce que c'est assez récent, qui compare la microstructure de la substance blanche du cerveau entre 39 consommateurs quasi quotidiens de cannabis et 28 témoins similaires en termes d'âge, de sexe, de consommation d'alcool, de consommation de cigarettes et de santé mentale. Voici texto la conclusion. Écoutez bien, là, hein, dans le fond du café. La microstructure de la substance blanche ne diffère pas entre les consommateurs de cannabis et les témoins et ne covarie pas avec la consommation récente de cannabis, le degré de dépendance ou la durée de la consommation. Ces résultats suggèrent que la consommation quasi quotidienne de cannabis à long terme n'affecte pas nécessairement la microstructure de la substance blanche, mais la vulnérabilité peut être plus élevée à l'adolescence. Vous avez entendu? OK. Il est quelle heure, là? Oh, c'est l'heure. Juste une seconde. Hé, hey, MJ! Je te remercie beaucoup, hein? Salut. OK, je me ramasse. La question que je vous posais au début de l'épisode était la suivante. Pourquoi la SQDC limite le taux de THC à 30%? La réponse courte, si j'étais méchant, elle ne le sait pas et s'en fout. La réponse courte du gentleman que je suis... La SQDC n'a pas comme mandat d'expliquer le raisonnement du législateur. C'est plate, mais c'est comme ça. La SQDC est là pour vendre du stock. Son site web dit ceci. La SQDC s'engage à proposer des produits de qualité et à moindre risque, ainsi qu'à informer et à éduquer les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur la santé. Est-ce qu'un aménagement de son mandat qui l'autoriserait à partager un dossier sur le sujet aiderait les Québécoises et les Québécois à prendre des décisions éclairées par la science?
Je crois bien que oui. Pour l'instant, nous, les Québécois et Québécoises, nous sommes condamnés à chercher on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop où. Évidemment, un étiquetage plus intelligent devrait être un incontournable dans les mois et années qui viennent. Et finalement, on ne peut oublier le rôle des producteurs dans cette valorisation du THC. Il existe non pas une corrélation, mais un vrai lien de causalité entre le pourcentage de THC et le prix de vente d'un produit de cannabis. Les leaders de l'industrie qui contrôlent bien leur production ont tout intérêt à garder le THC comme une mesure phare, car elle les avantage financièrement, surtout dans un contexte où la publicité est interdite. Un fort taux ou un haut taux de THC en 2022 est la meilleure pub qui soit. Voilà, c'est dit. Et j'aimerais terminer en vous exposant l'argumentaire d'un chercheur hors catégorie qui s'appelle Kenzie Riboulet-Zemouli. Selon lui, il existe un biais intellectuel originel qui assimile le cannabis aux autres drogues, comme l'alcool ou le tabac, qui fonctionnent avec une molécule simple, comme l'éthanol ou la nicotine, contrairement au cannabis composé de plus de 70 cannabinoïdes, dont le THC. Il a une comparaison incroyable que je vais vous citer texto, tant elle est savoureuse. Il faudrait comparer un joint non pas à un verre de vin, mais à un verre d'un imaginaire breuvage composé d'un mélange de vin, bière, cidre, whisky, vodka et absinthe. Contrôler uniquement le taux de THC du cannabis licite reviendrait à ne contrôler que le taux d'absinthe dans cet étrange mélange comportant de nombreux agents psychoactifs interagissant entre eux, mais aussi des sucres, levures et autres agents influents sur la puissance finale du produit consommé. Merci, M. Riboulet-Zemouli. Il ajoute aussi que de tenter de calculer le THC est une hérésie. Et là, je le cite de nouveau. Le THC n'apparaît qu'entre la braise du joint et les poumons de l'usager, sous l'effet d'un procédé appelé décarboxylation. Avant cela, dans le joint qui est roulé par l'usager, point de THC, que du THCA. Fin de la citation. Est-ce que tout l'étiquetage canadien est fautif? Est-ce que dans les faits, un citoyen qui voudrait organiser un recours collectif contre le mauvais étiquetage de l'ensemble des produits vendus au Canada aurait une chance de gagner? La question se pose. Pourquoi la SQDC limite le taux de THC à 30 %? Et si dans les faits, il y avait zéro THC dans tous les produits vendus à la SQDC? Et voilà, c'était le 94e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.